Au cours de la présente session, le Conseil examinera les rapports des commissions de discipline, d'avancement et de nomination des magistrats. Toutefois, nous ne pouvons pas, par devoir, manquer de relever que cette session se tient à un moment critique pour la relation de confiance entre les justiciables et l'institution judiciaire n'est pas au beau fixe. Il n'est pas en effet surprenant de voir poindre des fautes disciplinaires, des atteintes et des manquements graves à la dignité, à la probité et à l'honneur de l'institution judiciaire. Cet état de fait met en relief la responsabilité, au tout premier plan, de ceux qui ont la noble mission et la lourde charge de traduire, à travers leurs décisions, la soif de justice et l'aspiration de notre peuple à un système judiciaire débarrassé de toute dérive affligeante qui ont pour nom corruption, exaction en tout genre, manque de dignité, d'honneur et de délicatesse. Le respect du droit, de l'équité, de toutes ces valeurs et ingrédients qui fondent la démocratie n'est possible que lorsqu'on peut compter sur une justice de qualité, c'est-à-dire une justice qui se veut juste, rapide, efficace et accessible à tous. Pour atteindre cet objectif, les antivaleurs doivent être combattues dans le secteur de la justice afin que la gouvernance judiciaire soit améliorée dans notre pays. En effet, cette session du Conseil supérieur de la magistrature nous permet d'inscrire la sanction comme moyen de lutte contre les agissements contraires à l'éthique professionnelle